Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va bricoler, voilà, faire un bricolage récup. Je vais me faire un petit rangement. Je sais pas ce que je mettrai dedans encore, mais voilà. Quand j'ai vu les boîtes, j'ai eu l'idée du rangement, c'est déjà pas mal. Hein donc je vais vous montrer avec quoi je vais faire mon petit rangement. Voilà. Avec ces boîtes. Donc j'en ai trois. Voilà. Donc c'est des boîtes de glace. Donc en carton. Et je vais faire un rangement superposé pour y ranger des choses. On verra quoi après. Donc ce qu'on va faire, c'est les superposer l'une sur l'autre, un peu en décalé pour qu'on puisse y avoir accès. Et je verrai après sur les côtés comment je vais faire, puis bon, la décoration. La décoration, je la ferai peut-être en papier là, puisque c'est de la récup, je ne vais pas mettre de tissu. Je pense plutôt mettre du papier, voilà. Donc, je vais vous baisser pour que vous voyez mieux ce que je veux faire. Hop, attendez, je vous baisse encore un petit peu, ça sert. Voilà. Donc, voilà les trois boîtes. Donc, d'abord, je vais enlever les couvercles. Alors, je vais d'abord pousser ces deux-là. Prendre mon petit cutter. Et je vais enlever ce couvercle-là qui ne me servira à rien. On va bien droit hein, pour l'enlever. Voilà, comme ça, ça va mieux. Garder les cartons à côté au cas où. En voilà deux. Et le troisième. Donc voilà, donc ça vous donne déjà trois boîtes comme ceci. On laisse les rebords, ça va nous permettre de coller. Je vais faire au pistolet à colle, je crois que c'est ce qui aura le mieux. On va essayer d'abord avec le pistolet à colle, si ça ne va pas, je changerai. Elle sort de là, quoi. Alors désolé, il va y avoir du bruit, mais il fait tellement chaud que j'ai laissé mes fenêtres ouvertes. J'ai préparé des bâtons de colle à côté de moi. Voilà. Donc je vous montre ce que ça va faire. Voilà. Donc un petit décalage comme ceci. Et le troisième en décalage comme ceci. Voilà. Et donc après, je viendrai mettre du carton sur les deux côtés, sur l'arrière et sur le fond, je pense. Je vais voir ce qui est le mieux pour faire tenir, bien faire tenir tout ça. Pardon. Ensuite, comme je vous disais, je ne vais pas mettre de tissu. Oui, parce que comme c'est de la récup, je ne peux pas user de tissu. Alors, je regarde.
Voilà, on pourra y mettre des papiers, y mettre ce qu'on veut. On va d'abord regarder si la colle chauffe. Je vais prendre un des cartons pour me servir. Pas encore chaud. Donc, je vais certainement me servir... Oh, j'ai un chat dans la gorge. Alors, le papier... D'un carton. Pardon. J'ai un chat. D'un carton de... Je vais arriver à le dire. Le calendrier. Voilà. Ce sera de la récup aussi. Alors, pendant que mon pistolet chauffe, je vais coller trois feuilles, enfin une feuille dans chaque boîte, dans le fond des boîtes. Donc, c'est du papier que j'avais eu à Lidl. Voilà, comme ça. Ça fait très, très, très longtemps que je l'ai, vous voyez. C'est du papier d'imprimante de toutes les couleurs. Ça fait plusieurs années que je l'ai. Donc, je n'oublie jamais. C'est l'occasion. Je vais mettre une feuille dans chaque, voilà, dans le fond. Moi, j'ai choisi le rouge. Alors, ce qu'il me faut, c'est de la colle. Je vais mettre la pelle. Celle-là, on verra bien. Voilà, je mets du double face, mais bon. Fait ma réserve, j'en avais plus. C'est cela, c'est les nouveaux maintenant en action. J'espère qu'ils sont meilleurs que les autres. J'ai mal au cœur aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est l'Aïd et depuis tout à l'heure j'entends un pauvre petit mouton. J'entends jamais de mouton ici, hein, donc je suppose que c'est pour l'Aïd. J'entends un pauvre mouton bêlé depuis tout à l'heure. Ce pauvre petit mouton va passer à la casserole. Je pensais que c'était interdit maintenant de les tuer chez soi. On était obligé de passer par l'abattoir. Mais bon. C'est le fait de l'entendre là bêler. Pas du tout la tradition, hein, que je remets en cause, mais c'est d'entendre ce petit mouton. Il doit sentir que son heure est proche. Voilà,
savez ce que j'ai fait? Ça ne peut pas chauffer, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Ah, quel idiot. Bon, ben, on attend encore. Hein. Donc, est-ce que je vais faire avec ce papier, peut-être? Faut que je vois si on voit à travers. Mais bon, le rouge, dans ce cas-là, je ferai peut-être avec une autre couleur. C'est du rouge et du bleu. Bon, l'éclair, c'est pas la peine. On verra. Ah, je pouvais toujours attendre que ça chauffe. Hein. Allez, je reviens tout de suite. Alors, pendant que le pistolet chauffait, j'ai essayé de faire quelque chose. J'ai essayé d'abord hors caméra. Donc, je vais recouvrir les arêtes, les dessus, là, donc avec le papier rouge. Comme ça, quand je vais coller, ce sera plus facile pour recouvrir après. Voilà. Donc, du coup, j'ai choisi papier rouge pour l'instant. Donc, je vais vous montrer comment je fais avec l'autre côté. Donc, j'ai fait des bandes de 8, sur toute la longueur de la feuille de 8 cm. Donc, sur le dessus, je mets du double face et le reste, je mets de la colle. Et vous voyez, bon, du coup, en fin de compte, la colle, on ne la voit pas. Ce sera mieux que d'user tout le double face. Donc, je mets au milieu pour que j'ai un rebord de chaque côté. Je marque mes plis. Ici, je coupe mon angle. Là, je coupe de biais pour le rabat. Donc là, je vais pouvoir coller. Une fois qu'on les a entamés, ces trucs, c'est une horreur. Ouais, pas moyen. Je vais prendre un autre, pas celui-là. Pas celui-là. Alors. Là, comme ça, j'en avais racheté. Bon, je peux pas que ça soit. Voilà. Ici, je vais faire avec ça. Là, on a un angle. Donc, je coupe jusque dans l'angle.
Je mets de la colle. Mon petit angle. Bon là, ça dépend de la boîte que vous avez, hein. Je colle tout. Et maintenant, ici derrière. Là, il reste à mettre un devant. Voilà, alors lui il ne veut pas coller. Donc voilà ce que vous avez. Donc vous faites ça sur les trois boîtes. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc les trois boîtes sont faites. Voilà. Alors, la boîte du dessus, on va rajouter un papier dans le fond, ici. Parce que celui-là, il va se voir. Alors, suivant votre boîte, vous prenez les dimensions de la hauteur et vous rajoutez une petite hauteur pour faire un petit rabat. Donc moi, là, j'ai déjà collé ça. Donc, en fin de compte, j'ai mis de la colle partout. J'ai utilisé celle-là, voilà, j'ai pas retrouvé l'autre, donc comme j'arrive plus à ouvrir ça va, elle passe pas à travers du papier. Je fais mon petit rabat. Que je vais coller aussi. Ah, je ne sais pas quand je mets la colle partout.
j'ai pas de chiffon, j'ai oublié. Quelle colle celle-là, je peux vous le dire. Sur les côtés si on veut. Je verrai après. Oh là là, peut-être comme celle-là. Donc maintenant, là ma colle chaude doit être chaude depuis tout à l'heure. Je fais un petit peu de rangement. D'abord, voyez, à quelle mesure on veut le mettre. Il y a un petit truc qui décolle, mais ça c'est rien, je rattraperai après. Donc je vais faire à 6 cm. Chaude, faut aller très vite. Hein. Qui est parti dans le fond. Voilà. Première étagère. Et maintenant, on va faire pareil ici. Donc, je vais compter 6 cm. Donc, vous voyez hein, ce que vous voulez mettre. Ça fait pour l'instant. Bon, là. Et ça ne tombera pas. Mais ce qu'on peut faire, c'est remettre un plancher et avec le plancher mettre une planche derrière. Voilà, donc la première partie est faite.
la colle partout. Donc maintenant, je regarde si je peux faire quelque chose avec ça. Je prends un petit tapis pour couper. Récupérer avec les couvercles. Donc là, je vais couper. Je vais quand même faire des pieds du coup pour l'équilibre.
quand on écrit, on dit je suis droite. Hein. Je suis moins en moins droite. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre le grand moyen, on va couper sur la ligne. Quand les pieds n'ont pas besoin d'aller jusqu'en haut. Demi. Après tout ça, on le verra plus, hein, heureusement. Maintenant, le deuxième. On va prendre les mesures là, ça va être plus simple. Thank you.
faire de ce côté ici maintenant. Allez, la glue. Il va pas commencer à rendre l'âme. J'ai un petit souci, j'ai de la colle qui est fondue à l'intérieur. Voilà. Ah, pas mieux. Mon pistolet à colle. Ah, c'est chaud. Deux pieds qui vont pouvoir stabiliser le petit meuble. Donc après on verra plus rien. Donc voilà, deuxième partie. Donc derrière je vais rien mettre, je vais laisser comme ça, c'est pas la peine de mettre trop de choses. Donc par contre je vais voir si je remets des feuilles rouges. Donc là, vu la surface, je vais mettre du double face pour l'instant. Là, pour l'instant, c'est juste pour recouvrir. Après, je verrai ce que je vais faire. C'est-à-dire, c'est pour cacher le carton. Là, vous voyez pas ce que je fais, mais bon, je vais en mettre du double face, donc il n'y a pas grand chose de vraiment extraordinaire à voir. Je vais vous montrer. Et ma feuille après. Alors, ce que vous pouvez faire aussi pour lui donner un petit aspect original. Si vous lisez le journal chez vous, ben c'est de recouvrir avec du papier journal aussi, pourquoi pas. Voilà.
là je recouvre, enfin c'est pas recouvrir, c'est je fais mes rabats. C'est vrai que c'est compliqué de vous montrer, vous voyez, là, je vais faire tous mes rabats à l'intérieur, enfin à l'arrière, là je vais coller. J'ai pas de colle qui s'est mise. Ça m'énerve cette colle. On va dire que le bouchon est déjà. Là, ça va être trop long, donc je vais couper un peu. Je garde mes chutes, hein. Je marque mes plis. Comme d'habitude. Je coupe un petit peu en angle. Et on va coller. Donc après, le dessous, là, c'est à votre choix. Vous le recouvrez de papier aussi. Moi je vais le recouvrir après. Je le ferai hors caméra. Toujours en angle pour pas que ça dépasse trop, ça sert à rien. Voilà, mon premier pied est recouvert. Après, il me restera là. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Allez, je fais pareil de l'autre côté et on se retrouve tout de suite. Alors, on va continuer. Donc là, on est sur la même vidéo, mais c'est une deuxième partie de la vidéo. Puisque j'avais arrêté pour continuer cette boîte trieur. Hein, voilà. Donc, on va faire la décoration maintenant extérieure. Donc j'ai choisi du papier. Bah, du coup j'ai pris du papier scrap. Voilà, je l'ai pris dans ce bloc là. C'est un bloc que j'utilise pas beaucoup. Donc
je vais utiliser celui-là. Donc j'ai pris les deux feuilles pareilles. Et là, je vais vous basculer et on continue. Alors, on va surtout se mettre bien à l'endroit. Voilà. Et je vais tracer pour découper. Donc là, on va le faire en un seul morceau. Ça ira. Voilà ce que ça va faire. Hein. Donc là maintenant je vais coller. Donc pour coller, je mets d'abord du double face sur tout le tour. Et donc maintenant, on peut coller sur le côté. Bien sûr, si je m'y prends mal déjà dès le début. Ça me fait. Donc maintenant je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là je prends la deuxième.
Et voilà. Maintenant, on peut coller. Ah, zut! Ah, j'ai fait des bêtises. J'ai fait des bêtises. Voilà, donc le deuxième côté est fait. Bon, là, je vais devoir ratiboiser un tout petit peu parce que j'étais un peu trop. J'ai fait un peu trop grand. C'est rien, au cutter. Et voilà. Donc, mes deux côtés sont faits. Maintenant, je vais m'occuper de cacher ça devant. Donc, je vais reprendre mes chutes. Je vais voir si ça suffit. Oui, les chutes devraient suffire. Ce que je disais, trop long, ça va pas, ça va, mais trop court, ça ne va pas. Bon, je fais trop court. De pas beaucoup, hein. J'ai fait 2 mm. Thank you.
Après tout ça, ça va être caché que de la dentelle, donc c'est pas trop grave. Alors comme je vous ai dit, si vous voulez vraiment mettre tout à l'intérieur, vous faites. Hein. Moi j'ai fait le choix de pas d'user de papier pour mettre à l'intérieur, mais vous pouvez en mettre. Alors je vais faire pour celui du dessus. Alors dans mes chutes. Faire plus long parce que je vois que j'ai pas mis le papier jusqu'au bout. Donc pareil, je mets de la colle. Je mets mon petit papier. Je vais laisser prendre avant de couper. Et je fais. Ah, je ne vais pas trop l'étoile. Je vais mettre une petite pince. Et pareil pour le dernier. De la colle. Et je mets ma petite chute de papier. Je vais couper dans le sens de la. Hop. Faire mon rabat. Bon, pour l'instant, ça n'a pas trop de ni queue ni tête, hein, on va dire. Hop. Alors, on va lui mettre une petite pince aussi, comme ça. On sait que ça va tenir. Voilà. Et le dernier, on lui fait la même chose. On lui fait son petit rabat. Et son petit pointe de colle. Alors en haut, par contre, je vais peut-être. Je pense pas, je n'ai rien dit. Ma petite pince. Voilà. Alors, je vais prendre. De la dentelle, ah, il faut que je fasse derrière aussi. Je prends une dentelle que j'utilise jamais.
Voilà, je vais prendre cela. J'espère que j'aurai assez. Ça fait 1m50. On va voir. C'est les anciens paquets de chez Action. Oh, j'ai rentré en haut alors qu'il y a un paquet en bas. On va voir ce que ça donne. Je ne les ai jamais utilisés. Ça fait un bail, hein, ça qui est sorti chez Action. Alors, je suis en train de réfléchir si je remets. Ouais, je crois que je vais remettre des petits papiers blancs. Des petits papiers musique. Alors. Je vais juste faire une bande. Ça me fait 3,2. Je vais couper avec ma planche à découper que je ne sais pas où j'ai mis là. Ce sera plus simple. Ça me va. En voilà une. Alors une deuxième. Si je mets à l'envers, voilà. En dessous, je sais pas si je vais user du papier pour mettre, c'est pour moi de façon. Donc, je pense pas que je vais user du papier pour mettre en dessous. Donc, pour vous, vous voyez, hein, si vous voulez en mettre ou pas. Mais bon, je trouve pas ça. Je trouve pas ça utile d'user du papier pour un côté qu'on ne verra pas. C'est de la récup, hein. Donc. Alors, je
suis à l'endroit là. Si on fait un truc en récup pour gaspiller trop de papier, ça sert à rien non plus. Voilà, le dernier. Voilà. Bon, là, il y a les pinces. Et voilà ce que ça donne. Pour maintenant. Alors, maintenant, il faut que je voie. Je mesure ce que j'ai besoin. Et je vais prendre le même pour l'autre côté, bien sûr. Voilà. Donc là, je vais mettre des perles. De ce côté ici, enfin de la dentelle. Je ferai le derrière après. Enfin, le derrière, il n'y a pas grand chose. Hein. Je vais juste mettre un papier rouge. C'est tout. Alors, double face ou colle? Faire une double face. J'espère que ça ira. Quelques petits points de colle par-ci, par-là. Donc, maintenant, je peux mettre ma dentelle. Maintenant, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, ensuite,
ce que je peux faire. Après, vous décorez comme vous le souhaitez. Bon, moi, j'ai des cabochons, là, donc je vais peut-être mettre des cabochons. Dans des pelles. Je vois si avec cette colle-là, ça colle. Je mets cela ou cela? Alors, attendez. Je pense qu'avec la pince, ça ira. Voilà. Là, et un petit dernier, celui-là. Laisse-la, t'en vas pas. J'arrive avec la pince. Voilà. Bon, là, vous ne les voyez pas parce qu'il y a les pinces. J'ai mis des petits cabochons. Bon, je fais ça après. Donc, on peut après rajouter la dentelle autour, faire ce qu'on veut. Là, moi, ce que je vais faire, je vais rajouter une bande de rouge derrière avec mes chutes. Mon coupe-coupe. Alors, j'ai pas envie de le couper plus. Je vais le laisser comme ça. J'aurais pu mettre une plaque derrière, mais bon. Non, couper un carton derrière, ça m'embête. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Voilà. Donc, je vais mettre de la colle. Comme j'ai dit, je veux pas user du papier pour rien. Surtout si je le mets contre un mur, ça ne se verra pas.
Voilà, c'est rien. Moi, je vais le laisser pendouiller. Bon, vous n'allez peut-être pas aimer. Mais de toute façon, que ça va être contre un mur, donc voilà, ça ne se verra pas. Là, vous faites comme vous le souhaitez. Je ne peux pas user des trucs pour rien. Alors, voilà, je vais le fignoler hors caméra et je vous mets les photos une fois fignolé, comme je dis, voilà, à la fin de la vidéo. Donc voilà, vous avez un petit trieur fait avec des boîtes à glace. Après, vous le mettez, vous le décorez à votre goût. Vous pouvez y ranger tout ce que vous voulez. Après, bon, là, je vais ici finir de mettre un papier parce que là, c'est, vous voyez, comme c'est celui du dessus, je vais certainement finir de mettre un papier à l'intérieur. Ceux d'en dessous, ça se voit pas. Donc, voilà. Je remonte. Donc voilà, c'était mon brico récup. Bon, c'est pas le truc super extra, mais bon, je vais le fignoler. Je vous mets les photos à la fin. Parce que je vais pas vous montrer toute la déco, ça sert à rien. C'était surtout comment faire cette boîte récup, ce trieur récup, voilà. Et ben, si vous en faites, dites-le moi. Puis ben, soit que vous me l'envoyez en photo par Facebook ou alors vous me l'envoyez par mon email si vous n'avez pas mon Facebook ou si vous n'avez pas de Facebook. Je serais contente de voir votre version. Et donc voilà. Allez, on se retrouve très rapidement. Je vous laisse regarder les photos à la fin. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À très bientôt. Bisous, bisous.